Yeah, bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo des Bandits Buster. Et là, je rappelle quelques liens concernant Blabla Linux. Nous avons blablalinux.wordpress.com qui est le blog. Nous avons youtube.com/c/blablalinux pour YouTube. Nous avons facebook.com/blablalinux pour la page Facebook. Et nous avons facebook.com/groups/blablalinux pour le groupe Facebook. Sur ce, j'ai rédigé un brouillon d'article. Regardez dans la description de la vidéo. Évidemment, vous, quand vous avez cliqué dessus, ce ne sera plus le brouillon, ce sera l'article définitif que j'ai appelé Nouveauté de Debian. Cet article, enfin les lignes de cet article ne sont pas sorties comme par magie de mon énorme QI intellectuel. Hein. J'ai été chercher mes sources chez Debian tout simplement. Alors pourquoi dit-on que Debian c'est la distribution universelle, la distribution ultime? Ben tout simplement parce que déjà elle prend en charge une flopée, une tétrachier comme on dit, d'architecture. Et oui, on peut voir qu'elle prend en charge donc tout ce qui concerne les PC 32 bits, les PC 64 bits, donc PC 32 bits, i386, PC 64 bits, AMD 64. Elle prend également l'architecture ARM 64 bits. Elle prend également ARM EABI, ARMEL entre parenthèses. Elle prend également ARM V7. C'est quoi? C'est ARM avec unité de calcul flottant. Ouh là là, ça devient compliqué. Elle prend également les architectures MIPS. Oui, je vous jure. Elle prend également les architectures MIPS 64. Elle prend également les architectures PowerPC 64. Et elle prend également les architectures IBM System Z. Oh, pour ne citer que les plus, comment dire, les plus importantes. Ok. Alors, on continue. Quoi de neuf dans la distribution? Cette nouvelle version de Debian propose plus de logiciels que la version précédente. La version précédente qui était nommée Stretch. La distribution inclut plus de 13 370 nouveaux paquets pour un total de plus de, ouvrez bien vos oreilles, 57 703 paquets. La plupart des logiciels de la distribution ont été mis à jour. Plus de 35 532 paquets logiciels, ce qui représente 62% des paquets de la distribution Stretch. Oui, je sais, c'est beaucoup de chiffres, mais quand on cite des gros chiffres comme ça, ça en fout toujours plein la tronche, comme on dit. Un nombre significatif de paquets, plus de 7278, soit 13% des paquets de Stretch, ont également été supprimés de la distribution pour diverses raisons. Vous ne verrez pas de mise à jour pour ces paquets et ils seront indiqués comme obsolètes dans les interfaces de gestion des paquets. Alors, Debian fournit à nouveau plusieurs applications et environnements de bureau. Entre autres, sont maintenant inclus, attention, GNOME 3.30. Oui, je sais, ok, c'est pas le 3.32, mais c'est pas non plus le 3.28. Alors, donc, sera fourni également KDE, attention, je vais dire Plasma. Ah oui, parce que les puristes, ce n'est pas KDE, c'est KDE Plasma, en version 5.14, LXDE 10, LXQT 0.14, Mate 1.20. Ouais, je sais, c'est pas le dernier Mate, mais c'est pas non plus le 1.18. Hein. Et alors, sera fourni XFCE 4.12. 4.12, il n'y a pas encore de nouvelle version? 4.14? Non. Non, on n'y est pas encore. Des applications ont également été mises à jour, comme les suites bureautiques par exemple. LibreOffice est mis à jour vers la version 6.1. Caligra est mis à jour vers la version 3.1. GNU Cache est mis à jour vers la version 3.4. Avec Buster, Debian fournit pour la première fois un cadre de contrôle d'accès activé par défaut. Les nouvelles installations de Debian Buster auront AppArmor installé et activé par défaut. De plus, Buster est la première publication de Debian livrée avec des programmes qui utilisent Rust, comme Firefox, RipGrep, FD, EXA, et un grand nombre de bibliothèques pour Rust. Buster est livré avec Rust C en version 1.34. Les mises à jour des autres applications de bureau incluent la mise à niveau vers Evolution 3.0.
30. Alors, je m'arrête là, mais sachez qu'il y a encore une flopée de nouveautés. Exemple, ben maintenant, vous ne devriez plus avoir de soucis avec Securebot et UEFI. Alors, c'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau. Ça fait déjà plusieurs versions que Debian supporte l'UEFI. Securebot, il travaillait dessus. C'était en partie supporté. Maintenant, c'est supporté complètement, sans rien bidouiller. Donc, si Securebot est activé sur votre machine, ça devrait passer crème, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore comme nouveauté? Ben, donc, AppArmor, activé par défaut. Renforcement optionnel de la sécurité APT. Qu'est-ce qu'on a encore? Amélioration des pages de manuel en allemand. Yeah, génial. Filtrage réseau basé sur Cadriciel NFTable. Yeah. Alors, qu'avons-nous encore? Ah, format LUX2 on disque par défaut pour Crypt Setup. Yeah. Imprimé sans pilote. Eh oui, sans pilote avec CUPS 2.2.10. Prise en charge initiale des périphériques basés sur Allwinner A64. Et donc, ah ben oui. Ah oui, j'ai oublié de vous en parler. GNOME utilise Wayland par défaut. Eh ben oui. Wayland est là par défaut. Alors, donc. Ah oui, slash USR fusionné pour les nouvelles installations. En gros maintenant. Comment je vais vous expliquer ça? Donc sur les nouvelles installations, les contenus donc de slash bin, slash sbin et slash lib seront installés par défaut dans leur équivalent sous slash usr. Ok, donc en gros, ben, slash bin ce sera dans slash usr slash bin, slash sbin ce sera dans slash usr slash sbin, slash lib ce sera dans slash usr slash lib. Voilà, on y est. Ok. Alors, l'équipe Debian Live est fière d'annoncer une nouvelle image autonome basée sur LXQT. LXQT est un environnement de bureau léger basé sur la bibliothèque, je vous le donne en mille, Qt. Oh ouais, non, je vous jure, LXQT, donc c'est la bibliothèque Qt. Donc, qui ne vous déroutera pas. Il ne ralentira ni ne bloquera votre système. C'est un environnement qui utilise la métaphore classique de bureau avec une apparence moderne. L'environnement de bureau fourni dans l'image autonome LXQT est pur, c'est-à-dire non modifié par rapport à la version donc en amont de LXQT. Ainsi, vous pourrez profiter de l'expérience telle que l'ont conçue les développeurs de LXQT pour leur système d'exploitation. L'agencement standard de LXQT contient un unique panneau qu'on appelle barre d'étage ou panel ou tableau de bord, c'est comme vous voulez, situé en bas de l'écran avec plusieurs appliquettes. Oui, c'est ce qu'ils ont dit, des petites appliquettes utiles telles que le menu principal, le gestionnaire de tâches, un lanceur d'application, une zone de notification et un calendrier intégré. Les images autonomes de Debian Buster sont livrées avec une nouveauté adoptée par un certain nombre d'autres distributions. L'installateur Calamares. Alors Calamares, ben, c'est un projet donc d'installateur indépendant appelé aussi The Universal Installer Frameworks. Yeah. Le quadriciel donc ouais, le quadriciel d'installation universelle. Donc, qui propose une interface basée sur la bibliothèque Qt pour installer un système. Il ne remplace pas l'installateur Debian sur les images autonomes, mais vise un autre public. Calamares est vraiment facile à utiliser avec un partitionnement guidé et un paramétrage aisé du chiffrement de disque. Il ne contient pas toutes les fonctionnalités avancées de l'installateur Debian, ni ne permet une installation automatique. Cependant, pour plus de 95% des utilisateurs de bureaux et de portables, Calamares permet plus facilement d'obtenir un système installé. À voir, je les crois, mais bon, à voir. Je suis comme Saint Thomas, moi. Voilà, il faut que je vende pour croire. Ce qui le rend très approprié pour les images autonomes. Pour tous ceux qui nécessiteraient... Ouais. Pour tout ce qui nécessiterait des fonctionnalités plus complexes ou qui font des installations en grand nombre. Est-ce que c'est français ça? Enfin, en gros, pour tous ceux, hein, qui ont besoin de fonctionnalités plus complexes, voilà, ou qui font des installations en grand nombre, l'installateur Debian est toujours disponible. Ouf, j'y suis arrivé. À la fois en mode texte et en version graphique. Voilà, c'est fini pour les nouveautés, mais cliquez sur le lien dans la description de la vidéo pour avoir accès à la totalité des nouveautés. Alors, je ne vous l'avais pas dit, mais oui, j'ai décidé
une par une de vous montrer à quoi ressemble donc à quoi ressemble la distribution Debian 10 Buster, mais sous chaque environnement de bureau. Donc les principaux, on va dire GNOME, KDE Plasma, qu'avons-nous encore? Cinnamon, Mate, XFCE, LXDE, LXQT. Il y en a d'autres, mais voilà, on va présenter les sept principaux, les sept plus connus, les sept les plus utilisés, on va dire. Donc, ici, on est sur l'écran de connexion de GNOME, en l'occurrence 3.30. Je vais me connecter. Alors, je vous le dis tout de suite, vous allez voir, peu importe l'environnement de bureau utilisé, donc sous la distribution Debian, en l'occurrence la 10 Buster, c'est austère. Voilà, c'est comme ça, c'est Debian. Debian, voilà, je ne vais pas dire que l'entièreté du travail fait est misé sur la stabilité, hein, sur le il faut que ça marche, mais quasi. En fait, le visuel, je dis pas qu'on s'en fout, mais ça passe après. Eux, ils partent du principe, écoute, nous ce qu'on veut, c'est que ça marche. Debian, c'est universel, c'est utilisé sur des milliers et des milliers, voire des millions de bécanes, que ce soit desktop ou serveur. Donc, beaucoup de gens, beaucoup d'infrastructures, beaucoup d'organisations dépendent de notre distribution. Donc, nous, il faut que ça marche. Point barre. Tout ce qui concerne le visuel, l'apparence, la cohérence, la beauté, c'est à nous à le faire. Même si, voilà, ici par exemple, GNOME en version 3.30 n'est pas moche. Hein. Ce qu'on va peut-être faire hein, directement, pour ne pas que j'oublie, parce que je me connais, je vais oublier. Je vais oublier si je fais terminal. Voilà. Que je fais un petit htop. Évidemment. Donc si je fais sudo apt install htop, ça fonctionne. Oui. Évidemment non. Donc on va faire un su. Hop là. On va faire blabla. Linux. Et là, on va faire apt install htop. C'est parti. Il y en a encore ceux qui vont dire, ouais, vous montrez toujours la même chose, c'est toujours en machine virtuelle, vous ne montrez que htop, mais Linux c'est bien plus que ça. Ben oui, écoutez, on va essayer de s'améliorer, excusez-nous. Mais si jamais vous pouvez participer, hein, vous aussi, également, à la diffusion de vidéos concernant Linux, vous ferez peut-être mieux que nous. Voilà, htop, 743 mégas comparé. Ben non, j'allais dire comparé à GNOME, mais on est sous GNOME. Voilà. GNOME 3.30 sous cette Debian 10 Buster consomme 735 mégas au démarrage. Alors, concernant les paramètres, rien de bien nouveau. Voilà. Ok, je vais pas faire tous les paramètres. Vous connaissez le gestionnaire de paramètres de GNOME. Voilà, j'ai fait joujou avec Debian 10 Buster et un peu sous chaque environnement de bureau. C'est vrai que voilà, c'est stable, hein, et je vous le dis tout de suite. Hein. Hors de question de recevoir des messages d'erreur à tout va comme sous Ubuntu. Non, non, c'est fort stable. Alors au niveau des applications. Qu'est-ce qui est installé? Donc on a ajustement pour GNOME. Hein. Ah, c'est génial. Voilà, c'est grâce à lui que vous allez pouvoir un peu personnaliser votre distribution, que ce soit par l'apport de nouvelles fonctionnalités ou personnaliser le visuel. Hein. Ok. Alors, qu'avons-nous d'intéressant? Calculatrice, on s'en fout. Carte, cheese. Contact, document, éditeur de texte, enregistreur audio, évolution, fichier, Firefox ESR. Tiens, on peut le lancer, Firefox ESR. Voilà, qui sera voilà, en version 60.7.2. Donc ESR. Ok, voilà. Fermé, activité, on va vite faire le tour en vitesse. Htop, ben c'est moi qui viens de l'installer. LibreOffice, j'ai oublié le numéro de version qui sera installé. 6.1, je pense. Hop.
à propos de LibreOffice. 6.1.5.2. Allez, on va lancer Writer. Voir si tout fonctionne bien. Ouais, tout fonctionne très bien. On continue. Logiciel. Ah bah encore heureux qu'il est là pour installer des logiciels. Allons faire nos courses. Tiens, il y a des mises à jour. Et voilà, il y a des mises à jour. Tout. Ben voilà, ben c'est logiciel. Hein. Vous voulez, je sais pas, moi, audio-vidéo. Voilà, audio-vidéo. Voilà. Vous voulez VLC? Ben voilà, VLC. Vous voulez installer? Ben voilà, vous cliquez sur installer. Vous vous authentifiez. Voilà. Évidemment, je me suis trompé. Voilà. Et c'est parti. Alors, en attendant, donc météo, musique, tiens oui, musique, ce sera quoi? Évidemment, je me suis trompé. Musique. On peut faire clic droit, afficher les détails. Ben, ce sera musique de Gnome. Bon, on va le lancer. Voilà. Hey, Didi. Ouais. Ok. Si je reviens en arrière, VLC, il est installé. On va le lancer. On va voir s'il se lance. Alors, je continue. Outil de numérisation. Simple scan, donc les paramètres, Rhythm Box. Voilà, Rhythm Box. Ok. Bon, ce qu'on va faire, VLC, on va aller le chercher autrement. Le voilà. Ok, 3.0.7. Bah oui, on est sous Debian, hein, dernière version. Vous pouvez oublier, mais voilà, on se dirige pas vers Debian. Pour ça, moi en l'occurrence, Debian me plaît énormément et je pense me diriger petit à petit vers elle. Et ça, c'est depuis que je participe un peu au projet Mubuntu. Alors, qu'avons-nous encore? Ben, c'est à peu près tout, transmission, utilitaire, oui, disque, éditeur système, ouais, ok. Ok, vidéo, ouais, bon, ok. Bon, on a fait le tour, hein. On a fait le tour, allez. Fermez le terminal et go pour la suite, hein. Eh bien, la suite, là, voilà. Donc, on se retrouve sous KDE Plasma. J'insiste, Plasma. Alors, on va s'authentifier. Voilà. Et on arrive sur KDE Plasma, qui est également de toute beauté. Donc KDE Plasma qui est en version 5.14. Voilà, il faut pas vous attendre à voir les toutes dernières versions au niveau du versionning, donc environnement bureau, que ce soit versionning logiciel également. Mais voilà, comme je l'ai dit, Debian, on va pas le chercher pour être au taquet, question numéro de version. On l'utilise pour sa stabilité, surtout. Voilà. D'où, entre autres, ben, le moment de freeze, hein, au niveau de tous les logiciels. C'est pour ça, entre autres, que vous n'aurez pas les toutes dernières versions. Parce que Debian, il travaille comme ça, il dit à un moment donné, oh, stop, on n'évolue plus, on freeze l'ensemble de la pile logicielle, c'est tout, ça bougera plus, et là on s'attelle à la correction de bugs. C'est pour ça qu'à un moment donné, ben, plus rien n'évolue, mais voilà, mais ça évolue quand même, hein, ça continue à évoluer le logiciel. C'est parce que Debian, je sais pas, moi admettons que Firefox, c'est pas parce que Debian dit stop, nous on freeze et on corrige les bugs, que Firefox va arrêter d'évoluer, il continue son petit bonhomme de chemin. Donc c'est pour ça que Debian est toujours à un moment donné en retrait. Voilà, vous n'aurez pas les toutes dernières versions. Je sais qu'il y en a qui sont au taquet avec question numéro de version. Moi, perso, franchement, je m'en caille. Alors là, c'est le dernier de mes soucis. Donc, KDE Plasma,
plasma, j'insiste, 5.14. Même chose, je suppose que htop n'est pas installé. Donc si je fais console, ah oui, parce qu'ici c'est KDE, donc ce serait console pour avoir une instance terminale. Nous allons faire su, nous allons faire blabla Linux, nous allons faire apt install, voilà, htop. Ça va vite, hein. Et on va faire htop. 472 mégas au démarrage sans avoir fait joujou avec. Donc plus léger que notre ami GNOME en version 3.30. Bah, le gestionnaire de paramètres sous KDE. Je suis pas un pro moi de KDE, hein, désolé. Hein. Donc application. Ordinateur. Voilà. Configuration du système. Ça, c'est le fameux gestionnaire de paramètres de KDE, qui est un des plus fournis, qui est le plus fourni de tous les gestionnaires de paramètres. Ok, c'est par ici que vous allez personnaliser l'ensemble de votre système. Alors, KDE Plasma, un panel par défaut et nativement qui est situé en bas. Au niveau des applications, bon ben, même chose, hein. On peut lancer comme j'ai fait tantôt, voilà, LibreOffice. Au niveau de version, ben, rien ne change, hein. Ok, on change juste d'environnement de bureau. Donc bureautique, oui, on a LibreOffice. Graphisme, ben, nous avons éditeur d'image GIMP ou GIMP pour les intimes. Donc si je fais aide à propos de LibreOffice, donc comme tantôt, hein, 6.1.5.2, voilà Writer. Voilà, c'est génial, c'est beau. Nous avons GIMP ou GIMP. À propos, voilà, 2.10.8, super. On continue en vitesse internet, donc internet, je l'ai dit, hein, Firefox OSR. Ah, par exemple ici ce sera KMail, hein. Donc gestionnaire mail, ce sera KPT, donc pour la messagerie instantanée. Alors multimédia, nous aurons K3B pour les gravures de disques, nous aurons Duke comme lecteur multimédia. Nous aurons Dragon Player comme lecteur vidéo. Utilitaire, calculatrice, éditeur de petites notes, éditeur de texte, ce sera K-Write. Ou éditeur de texte avancé, ce sera Kate. Middleton, pardon, Kate tout court. Voilà, ben ça c'était KDE. Ok. C'était KDE, regardez, 504 mégas. C'est cool, allez. Go pour la suite. Yeah, nous voici sous l'environnement de bureau Cinnamon. Alors là, je ne sais vraiment pas le numéro de version auquel nous allons avoir affaire. Tout ce que je sais, ben, c'est que ce n'est pas la dernière version. Ben non, donc ce ne sera pas Cinnamon 4.4 et quelque chose. Ce serait un Cinnamon 3 et quelque chose. D'ailleurs, on va aller voir directement son numéro de version à Cinnamon. Alors pour cela, icône du menu des applications principales, paramètres système. Voilà, et si on descend, voilà, information système. Voilà, donc système d'exploitation, donc Debian 10.0, architecture 64, version de Cinnamon 3.8.8, et ça j'ai oublié d'en parler, le noyau, on est sous un noyau 4.19. Et en l'occurrence déjà la révision 5, voilà. Donc ça c'est, on a, voilà, ça c'est le paramètre système de Cinnamon. Ok, et regardez la preuve, hein, si on va dans thème, hein, comparé à Cinnamon
de Linux Mint, du fameux Linux Mint. Regardez si je vais dans je sais pas moi. Allez, bordure de fenêtre. Ah oui, là c'est rempli hein. Si je vais dans icône, c'est rempli. Contrôle. Oh là là, mon Dieu, que c'est rempli. Y a rien quoi. Voilà, y a rien. Ça c'est Debian. Ça c'est Debian. Ben, même chose, on va faire terminal. Comme ça, vous aurez. On prend uxterm. Voilà, on va faire su. On va faire blabla. Linux. On va faire apt. Installage top. Yeah, on fait stop. Verdict. 576 mégas. Yeah. On peut le laisser dans un petit coin. On va faire comme ça. Non, comme ça, j'ai dit. Et au niveau logiciel, ben c'est le même. Hein. Accessoires, calculatrice, capture d'écran, clavier virtuel, disque, éditeur de texte. Oui, j'ai pas encore lancé éditeur de texte, donc c'est à propos, donc ce sera gedit. Alors gestionnaire d'archives, donc sous environnement de bureau Cinnamon, ce sera gestionnaire d'archives, hein. Voilà, pour GNOME, tout simplement. On se fout pas trop la nénette, comme on dit. Bureautique, ben ce sera ben LibreOffice, hein, je vais pas le lancer. Donc éditeur d'image GIMP. Ah, ici on a Inkscape, hein, éditeur d'image vectorielle, gestionnaire d'image vectorielle, pardon. Alors Shotwell, donc bibliothèque d'image. Pas visionneuse bibliothèque. Alors Internet, donc Firefox SR. Xchat, voilà Xchat. Tout ce qui concerne communication par IRC, messagerie internet Pigeon, nous avons Thunderbird, je le dis bien Thunderbird, donc gestionnaire mail, les jeux on s'en fout un peu, sur les vidéos on a Brazero, gravure CD DVD, cheese, webcam, enregistre de son, Rhythm Box, donc bibliothèque musicale, Soundjoycer, ouais. Soundjoycer, à propos, voilà, un extracteur de CD audio. Donc tout ça, on peut fermer, voilà, fermer. Yeah, donc ça c'est Shotwell, voilà, gestionnaire d'archives. Éditeur de texte simple, ok, ça c'est Pigeon, voilà, je pense que c'est bon. On continue en vitesse, éducation, administration, gestionnaire de paquets synaptiques, tiens, je vous en ai pas encore parlé. Donc pour installer tous vos logiciels, ben, vous passez par gestionnaire de paquets synaptiques qui ne supporte pas Wayland. Ah ben oui, il ne supporte pas Wayland. Et je pense qu'il ne le supportera jamais. Parce que sinon ce serait déjà fait. On va faire une petite recherche. Je vais faire le même que tantôt. Je vais faire VLC. VLC. Voilà, il est là. Clic droit, sélectionner pour installation. Il me dit, ben voilà, ok, tu vas installer VLC, mais pour installer VLC, voilà ce qu'il va me falloir. Eh ben ok, ajoute à la sélection, mon coco. Et vas-y, je te permets d'appliquer les modifs. Alors il me dit, ben voilà, voilà ce que je vais installer. Ok, fais mon coco. Et voilà, il fait. Là, on peut voir les ressources. Système. Alors on continue. Eh ben, il n'y a plus rien à continuer, c'est fait. C'est terminé? Oui, c'est terminé. On va voir si VLC se lance correctement. VLC se lance correctement, donc le numéro de version, là j'ai vu tantôt, 3.0.7.
de vétinari. Vétinari. Tiens. Tiens. Pas normal ça. Et un petit bug par contre. Comment je ferme ma fenêtre moi? Comment je ferme ma fenêtre? Ouais, ok. Oufti. C'est pas des plus simples, hein. Allez, la suite, s'il vous plaît. À votre avis, là maintenant, à quel environnement de bureau avons-nous affaire? Allez. Allez, dépêchez-vous, s'il vous plaît. À quel environnement de bureau avons-nous affaire? Est-ce que vous donnez votre langue à Annie? Annie. C'est moi, Annie. Allez, allez, s'il vous plaît. On se connecte. Attention, à quoi avons-nous affaire? Ben oui. Maté, s'il vous plaît. Maté en version 1.20. Système à propos de Maté 1.20.4, s'il vous plaît. Même chose, administration, préférence, apparence, clac, clac, outil système. Ouais, je cherchais le terminal Maté. SU, blabla Linux, apt install htop. Combien tu me donnes à stop? Wow! 340 mégas! Qui dit mieux? Voilà, 340 mégas. Ok. Donc, le gestionnaire de fichiers sous Maté, ben, ce sera notre ami Kaja ou Kara. Kara. Oui, Maté 1.20.4, Kara est en version 1.20.3. Un petit peu en retard, comme on dit, hein. Voilà, ben, ça c'est Kara. Ok, le gestionnaire de paramètres Maté se nomme le centre de contrôle Maté. Et le voici. Voilà, le voici. Au niveau de l'agencement que Maté propose, ben c'est deux. Donc nativement, hein, bien souvent, peu importe le système sur lequel il est installé, ben ce sera deux panels. Hein, un panel supérieur, un panel inférieur. Et voilà le style de menu. Qui reprend trois catégories: application, placement, système. C'est pas mal fichu, c'est simple. Accessoires, calculatrice Maté, capture d'écran, éditeur de texte. Ben, ce sera Pluma sous Maté, ce sera Pluma. Et ici, ce sera Ngrappa comme gestionnaire d'archives. Alors, bureau, ben, donc LibreOffice, rien de nouveau. Éducation, sauf graphisme, GIMP, Internet, oui. Elle est vraiment épurée au niveau package logiciel cette Maté, donc je vais vite passer dessus. Allez, next, suivante. Allez, à quoi voulons-nous faire comme environnement de bureau ici? On n'a plus grand choix, hein. On a le choix entre XFCE, LXDE, LXQT. Et petit indice, j'ai essayé de les lancer dans un ordre, on va dire, croissant, du plus consommateur au niveau ressources système, donc au niveau RAM surtout, hein, au niveau mémoire vive consommée. Donc du plus gourmand au moins gourmand. Allez, donc je suppose que vous avez deviné. Ok, hein, ça va. Nous avons affaire à XFCE dans sa nouvelle version. Non, dans sa version normale 4.12, quoi. Ok, bah oui, la 4.12 qu'on connaît maintenant depuis quelques années. Voilà. Lui, on peut pas dire qu'il évolue à une vitesse, hein. Donc, ben, le. Ah ouais, en plus, on n'a même pas affaire au menu Whisker. Hein. Non, c'est un peu trop demandé. On a affaire au menu dit classique, hein. Et voilà, à propos de XFCE 4.12. Alors, avant que je n'oublie, ouais, avant que je n'oublie, un petit SU, un petit. Blabla Linux, bah oui, parce que BBL, donc mon utilisateur n'a pas été ajouté, hein, à Sudour. Donc, ben, donc on va faire un apt install htop, voilà. Allez mon coco, dépêche-toi. Htop. 318 mégas. Yeah.
Alors, dans sa nativement XFCE sous Debian est proposé donc par défaut avec un tableau de bord, un panel, un panneau si vous voulez, supérieur. Et un panel inférieur, oui, c'est pas un dock, c'est juste un tableau de bord XFCE, hein, mais qui était agencé de façon à la façon d'un dock. Alors, application, je vais pas toutes les faire. Ah oui, donc gestionnaire de paramètres XFCE. Voilà, ben vous connaissez. Ok. On peut dire qu'il était fortement, il a fait fortement régime sous Debian. Voilà. Apparence, ben c'est la même chose. Ah, aussi, on en a quand même un peu plus, mais rien de folichon. Je vous ai dit, c'est pas la priorité hein, chez Debian. Au niveau application, ben nous aurons Clipman, hein, gestionnaire presse-papier. On peut le lancer. Hein. Voilà, Clipman, il est là, il est vide. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que j'ai vu? Ce sera Thunar comme gestionnaire de fichiers, Mousepad comme gestionnaire de éditeur de texte simple plutôt. Voilà, 0.4.1. Xarchiver, gestionnaire d'archives. Nous aurons XFBurn, gravure CD-DVD, aucun préféré. Comment ça? Alors, bureautique, bah, LibreOffice, graphisme, Xen, ouais, Internet, bah, Firefox OSR, ESR, multimédia, EXFalso, parole, donc lecteur multimédia, Quadlibet, bibliothèque musicale, on peut lancer. Attente. Voilà. Quadlibet. Bibliothèque musicale, je pense, préférée de monsieur Frédéric Béziès, il me semble. Hein il me semble, voilà. Ben, c'est tout. XSE 4.12 sous Debian 10 Buster. Allez, j'ai dit next, suivante. Alors, la suivante, ou le suivant. Ben, maintenant, j'ai vendu la mèche, hein. Donc, nous avons affaire, si je suis ma logique, à l'environnement de bureau. Attendez, parce que ça me gratouille au mollet. À l'environnement de bureau, LXDE. LXDE. Voilà, en version 10. Voilà, LXDE. Bah, c'est LXDE, quoi. Hein. Tant que j'y suis, parce que ça, j'oublie toujours. Attendez, qu'est-ce qui est. C'est quoi là? Gestionnaire de fichiers PCMan FM, web browser, ok. Non, moi je veux. Ça doit être dans préférences. Non, ça doit être dans outils système. Voilà. LX Terminal. SU, vous connaissez la chanson. Le mot de passe sera et blabla Linux. Puis on fait un APT. Donc on fait appel au, voilà, au gestionnaire APT. Hein, et on lui dit, bah, écoute, tu veux pas m'installer? Oui, quoi? Ben bah, htop. Voilà, ça c'est détailler une commande. Ok. Et alors maintenant, je veux lancer htop. Comment? Ben, en tapant htop. Voilà. 305 mégas. Qui dit mieux? Sérieusement, qui dit mieux? Alors. Donc, LXDE, version 10. Ok. C'est bizarre, hein. C'est peut-être parce que je n'ai jamais eu. Ça n'a jamais été évident pour moi de prendre LXDE en main. C'est pourquoi, quand on me demande un environnement de bureau à utiliser sur une machine, on va dire, qui dispose de peu de ressources, c'est arrivé très rarement que je conseille LXDE. Souvent, je conseille XFCE. Pourquoi? Ben parce que déjà, ben c'est clair, voilà, LXDE est un peu plus léger que XFCE, mais c'est pas énorme, c'est pas énorme. On a 306 pour LXDE, on a 350 presque pour XFCE. Oui, d'accord, il est plus léger, mais c'est pas énorme. Mais alors la différence au niveau de la convivialité d'utilisation de XFCE par rapport à LXDE, XFCE est beaucoup plus simple à utiliser,
dispose de plus de fonctions de personnalisation. Voilà, c'est pour ça que je ne l'ai jamais trop conseillé. Maintenant, il a le mérite d'exister. Et c'est vrai que sur des machines qui disposent de très peu de ressources, je ne parle pas de peu de ressources, de très peu de ressources, c'est clair qu'il n'y a pas photo, il faut partir sur Elixir. Ma préférence... Voilà, ici, il n'y a pas... Attendez, je vérifie. Il n'y a... Voilà, il n'y a pas de gestionnaire de paramètres. Non. Il n'y a pas de gestionnaire de paramètres que l'on peut appeler. Alors, comme gestionnaire de fenêtres sur Elixir, c'est OpenBox. Voilà, que j'apprécie pas plus que ça non plus. Ben, niveau accessoire, bon, on a Clipit. Ah, ben, il était déjà lancé, pardon. Ah, il est lancé par défaut. Ici, c'est pas Clipman, c'est Clipit. Voilà. C'est Clipit. Gestionnaire presse-papier. Calculator, ça fait peur, calculator. Non, galculator, pardon. Mousepad, on connaît. Hein. Comme Sumaté. Ah, les outils Debian ici. Hein. Voilà, elle est pauvre. Vous partez presque de zéro au niveau package logiciel. Ben, c'est pas plus mal. Hein. C'est pas plus mal. Ah, je vois lecteur multimédia MPV pour ce qui est mais du lecteur multimédia tout simplement. Je regarde s'il y a suivi des NX Music, donc lecteur musique. Là c'était lecteur vidéo et musique. Oh, c'est un peu bizarre. SM Player. Oh, il y a un peu des doublons, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Voilà, je m'attarde pas plus que ça. Par contre, vous allez voir la suivante. Mais c'est la dernière. Elle est pas mal du tout. Allez, next. J'ai dit next. Next, next, next. Et bien voilà, sans surprise, nous avons affaire à l'environnement de bureau LXQT en version 0.14. C'est ça, la nouvelle image autonome proposée par l'équipe de Debian et ils en sont fiers. Donc environnement de bureau LXQT basé sur la bibliothèque Qt donc de KDE. Donc je vais me connecter à ma session. LXQT est né de l'association de LXDE et de RazorQT, ce qui a donné LXQT. Voilà, on voit tout de suite qu'on a affaire aux bibliothèques QT de KDE. Voilà, au niveau de l'apparence, je parle. Alors, est-ce plus léger? On va voir. En tout cas, niveau visuel, j'aime mieux LXQT avec ses bibliothèques Qt du monde KDE que LXDE. LXDE n'a rien à faire, ça se fait vieux. D'accord, on peut personnaliser, d'accord, on est sous Linux, tout personnalise, mais voilà, LXDE ça fait un peu vieux et il faut vraiment y aller pour le rendre beau. Tandis qu'ici, ben, franchement, le thème d'icône n'est pas moche du tout, et c'est beau. Donc directement, je vais faire un SU, vous connaissez la chanson, on va faire... Blabla Linux, on va faire apt install htop et là ben, c'est la surprise, c'est que à moins qu'il y aurait eu de l'amélioration, LXQT n'est pas plus léger que LXDE 313. C'est à peu près le même, hein. 300 LXDE, 313 LXQT et presque 350 XFCE, 360 Maté, donc voilà, c'est l'ordre est bon. L'ordre est bon. Au niveau gestionnaire de fichiers, ce sera PCManFM Qt. Voilà. Qt. En version 0.14.1. Alors, qu'avons-nous là? Featherpad.
Donc, éditeur de texte simple, voilà, qu'on va lancer. Waouh, en tout cas, c'est réactif, hein. Au niveau de la réactivité, c'est beaucoup mieux d'être sous LXQT que Elixir. Ah oui, ça fuse. Alors, nativement, par défaut, ben, juste un panel. Un panel inférieur avec le menu des applications principales. Un applet, donc montrer le bureau. Un applet gestionnaire des espaces de travail virtuels. Alors, trois raccourcis. Donc, un vers le gestionnaire de fichiers PCManagementFMQT, un vers une instance terminale et un vers donc Featherpad, l'éditeur de texte simple. La zone des tâches. Alors, ici, ça c'est pas mal. Hein. C'est un applet qui montre si le verrouillage majuscule est actif, si le verrouillage chiffre est actif, si le verrouillage défilement est actif, l'entrée clavier est donc utilisée. Alors, on a un appelé notification, on a Clipper, donc gestionnaire presse-papier. On a appelé périphérique amovible, appelé son, on a appelé heure calendrier. Voilà, ok. Et mais toi, tu pars, s'il te plaît. Voilà, ok. Donc, on va vite aller voir au niveau. Regardez, c'est beau, hein? Franchement, c'est beau. Donc, Featherpad, PCManagementFMQT, on a vu. Bureautique, bah, LibreOffice, regardez, je vais vous lancer LibreOffice sous environnement de bureau LXQT. Voilà. Graphisme. Elixir image. Screen grab. XN. Internet. Donc Firefox OSR. Thunderbird. Météo QT. Tiens, Météo QT. Lançons Météo QT. Ouh, je vois droit. Je vois déjà une croix rouge. Oui, ça va pas, ça. Ça ne va pas. Hein. Clop. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi un peu. Pas de ville configurée. Ok. Ville. Paramètres. Allez. Ville. Entrez votre clé Open Weather Map. Ah, d'accord. Ok. Et si je fais. Je vais pas me casser la nénette. Ville temporaire. Ok. Ok. Pas grave, je peux quitter. Je peux quitter. Alors, j'étais où? Outil système, htop, Qterminal, son vidéo, Audacious. Ah, ce sera Audacious ici. Voilà, au niveau du thème, ouais, bon, bah, c'est pas toujours du Qt partout, hein. Donc, lecteur multimédia MPV, lui le thème, il en a rien à foutre, il arrive avec son thème, voilà. Ah non, non, c'est bon. Pardon, j'ai rien dit, je dis des conneries parfois. Pulse Audio, SM Player, j'ai vu SM Tube. Tout ce qui concerne les préférences, LXQT, paramétrage du système. Voilà. Par contre, ici, il y a un centre de configuration de LXQT, il n'y a pas de centre de configuration de LX2. Voilà. Yes, c'est pas mal du tout, hein. Voilà. Apparence. Voilà. Style de widget. Thème d'icône. Thème LXQT. Police. Curseur. Oh là 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 là. Association de fichiers. Bureau. Voilà. Général. Vision de diapositive. Avancée. Souris et clavier, datateur, gestion de l'énergie, paramètres de l'écran, paramètres de luminosité, paramètres de notification, on va aller voir, hein. Voilà. Paramètres de session LXQT, région, touche de raccourci, utilisateur et groupe, et c'est pas mal, hein. System settings, donc configurateur d'alternatives, configuration de la pression, espace de travail, gestionnaire de disque, gestionnaire de fenêtre,
Yeah, style, clavier, focalisation avancée. Je vais vite, mais bon, voilà, je survole tous les environnements de bureau de Debian 10 Buster. Gestionnaire de paquets synaptiques, peaufinage des fenêtres, yeah, navigation, focalisation, accessibilité, espace de travail, placement, compositeur. Ça me fait penser vraiment au peaufinage des fenêtres. Eh bien, écoutez, c'est le peaufinage des fenêtres de XFCE, à quelques détails près. Ouais. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Voilà, allez, puisque j'ai fait le tour, ben moi je vous dis bye bye. Allez, ciao.